préciser, cette fois-ci, on se concentre sur l'espace-centre, sur les secteurs centre pour nous, d'où l'implantation à l'espace Simone Veil, pour pouvoir répondre aux besoins de la population soissonnaise, hors quartier près des Chevreux, et non pas comme on l'avait fait la fois dernière. Pour autant, il est évident que tous les Soissonnais sont invités à venir, évidemment. Et deuxième point, pour parler de circonscription de police, il est évident que les communes alentours, encore une fois, Villeneuve-Saint-Germain, Belleux, Crouy, sont bien naturellement conviés à venir. L'implantation, le choix du secteur et l'implantation du lieu de réunion, c'est évidemment parce que c'est cette fois-ci le secteur centre qui est le plus concerné. Pour autant, tout le monde, qui le veut, qui le souhaite, sera reçu avec grand plaisir. Je vais vous laisser faire un petit tour de table, si vous voulez, chacun pour intervenir de manière à présenter son intervention, en tout cas les conseils et l'aide qu'il pourra apporter aux personnes qui se présenteront. Je vous laisse commencer, si vous voulez bien, monsieur. Oui, je suis délégué de défenseur des droits. Et donc, je m'occupe de tous les conflits des citoyens avec l'administration. L'administration, service public, tout ça au sens large. Des problèmes de discrimination, des problèmes de droits de l'enfant, la déontologie de la sécurité, etc. etc. Donc, et une dernière mission qui nous a été confiée, c'est la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Donc voilà tout ce qui est mon rôle, et donc j'interviens sur Soissons et une permanence mensuelle à la structure. Juriste au sein de l'association France Victimes, donc notre association permet l'accès aux droits aux citoyens. Donc c'est l'accès aux droits en général, donc c'est des affaires pénales comme des affaires civiles. Les premières informations, ça permettra d'éclaircir les problèmes juridiques et puis éventuellement orienter avec les autres professionnels. Voilà. Guillaume Droineau, chef de service de la police municipale de Soissons, donc dans la continuité des autres actions qui avaient été menées en complémentarité du commissariat, la police municipale sera présente et répondra aux problématiques liées au bon ordre, la tranquillité publique, la sécurité publique, en poursuite des actions du commissariat de police nationale. Commissaire de police, chef de la circonscription de Soissons, nous sommes à la fois les organisateurs initiaux à la base, qui est notamment le commandant Conrard qui est la cheville ouvrière du dispositif à chaque fois et qui s'investit pleinement dans ces dispositifs, qui en a eu l'idée initiale et qui s'investit pleinement à chaque fois dans l'organisation et la mise en place de ces dispositifs. Nous intervenons, nous, dans d'autres rôles particuliers pour répondre aux personnes sur tout ce qui est évidemment compétences partagées avec la police municipale, les nuisances et autres, mais également avec un autre point de vue sur les commissions de délit, sur les enquêtes en cours. Enfin bref, on peut parler d'à peu près tous les sujets qui préoccupent nos concitoyens sans difficulté. Solidarité, je suis là en tant que mairie, évidemment, et je gère également le bureau des interventions, donc je serai là pour recevoir les personnes qui ont des soucis et qui ont surtout rapport avec la mairie de Soissons. Présidente de l'UFC Que Choisir de l'Aisne. Donc nous, c'est surtout la défense du consommateur, mais surtout on ne veut pas entre particuliers. Donc c'est bien les professionnels avec les particuliers. D'où l'intérêt ici de rediriger les gens qui viennent nous voir pour des problèmes entre particuliers notamment. Donc on fait la résolution de litiges et on informe beaucoup sur les arnaques, notamment, mais aussi sur l'alimentation, l'environnement, la santé, etc. Donc on fait des permanences à Crouy, on est basé à Crouy. On reçoit sur rendez-vous les mardis après-midi et vendredi après-midi, mais aussi on a une permanence centralisée sur Saint-Quentin et sur Château-Thierry. Voilà. Je suis le responsable de l'agence de Soissons pour Plaisance, qui est un des bailleurs social. C'est la troisième fois que l'on participe à cette réunion. Je viendrai accompagner pour ma part de deux gestionnaires de proximité et on aura à cœur de répondre à toutes les questions et problématiques du logement, que ce soit effectivement au niveau des troubles de voisinage, mais aussi pour toute autre demande, telle que technique ou au niveau des attributions. Madame Dubreuil-Dorothée, donc chargée de développement social urbain à l'OPAL, donc le deuxième bailleur social, enfin notamment le deuxième bailleur social sur la ville de Soissons. Comme mon confrère, hein, nous serons présents donc
pour cette troisième édition de la journée des litiges sur Soissons. Moi, je serai accompagnée effectivement par mes chefs d'agence également, hein, pour être tout à fait en capacité de répondre aux sollicitations des locataires qui viendront nous voir, toutes les questions en lien avec le logement. Donc, locative, effectivement, demande de logement, enfin voilà, toutes les questions. Et pouvoir orienter correctement les personnes auprès de nos confrères qui seront présents également cette journée. Donc Monique Vardon, je suis présidente de la Confédération syndicale des familles de Soissons, donc association de défense des consommateurs et des locataires. Donc c'est à ce titre-là qu'on y participe. Voilà, résolution des litiges, renseignements, etc. Et puis, dernièrement, dans le cadre du plan pauvreté mis en place par l'État, la CCF était labellisée point conseil budget. Donc pour répondre à toutes les problématiques budgétaires, éviter le surendettement, etc. Voilà. Je vais prendre la parole pour le dernier participant qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui sera évidemment représenté le jour de notre opération. C'est le bâtonnier qui systématiquement nous met à disposition des habitants de Soissons, des avocats qui sont généralement un par demi-journée et qui viennent bien évidemment, dans leur rôle d'avocat, faire un rôle de conseil juridique assez pointu. C'est tout l'avantage qu'on a avec ces professionnels qui sont particulièrement compétents sur des domaines assez variés du reste. Donc monsieur le bâtonnier ne peut pas être là aujourd'hui. En revanche, nous aurons un avocat sur la durée de l'opération toute la journée mercredi prochain. Je crois que c'est bon pour nous. Stéphane, t'as tous les renseignements, t'as l'habitude, c'était toi la dernière qui... J'avais fait le premier, moi. Ouais, Je pense qu'il y en a déjà qui s'attendent à avoir des questions bien précises lors de cette journée-là. Vous en avez déjà l'expérience, notamment au chauffage. Je pense qu'on a maintenant beaucoup de gens qui nous sollicitent aussi bien au bal que plaisance. Hein. Bon, je pense que vous aurez autant de monde. Il faut se lever pour demander plus, d'ailleurs. Non, mais c'est ça. Voilà, c'est toujours un petit peu ce que vous disiez au départ, c'est aléatoire, il n'y a pas de rendez-vous, on ne sait jamais. C'est tout l'intérêt de vous solliciter, vous, près, justement, pour avoir une caisse de résonance importante sur tout le bassin de population, mais c'est aussi les affichages. Chacun de nos partenaires, de toute façon, lui aussi, dans son domaine d'activité, avec son public, en tout cas, fait de la publicité, alors c'est pas un gros mot, mais c'est un peu ça, fait connaître en tout cas ou rend public cette opération, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir du monde. La fois dernière, nous avons eu, alors on peut compter soit en entretien, c'est ça, soit en entretien, soit en personnes reçues. On réalise forcément plus d'entretiens de personnes que nous n'avons de personnes reçues, dans la mesure où une personne peut avoir une problématique multipartenaire, dont la résolution nécessite de solliciter plusieurs partenaires. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir tout le monde, de pouvoir passer entre guillemets d'un stand à un autre pour avoir les interlocuteurs tous réunis plutôt que de faire des démarches une fois chez l'un, une fois chez l'autre, comme ça se passerait dans les démarches habituelles, disons. Effectivement, plus de 40 personnes reçues, c'était pour nous une belle réussite au centre social de Presles la fois dernière en septembre. On monte en puissance à chaque fois pour l'instant. Donc tu as compris que plus ton article sera grand. Plus on aura grand. Très positive après. Les retours qu'on en a, en tout cas, les gens étaient satisfaits. Les personnes qui sont venues solliciter les partenaires étaient satisfaits, oui. Et là, on améliore, parce qu'on va changer aussi la disposition des box, de manière que ce soit encore plus confidentiel. Pour gagner un cran Au fur et à mesure, on s'améliore. C'est l'avantage de l'expérience. Oui. Le premier, c'était à Saint-Jean, je pense. Oui, c'est ça. On avait 5 personnes. À Saint-Jean, on a reçu combien de personnes? Le premier, c'était Saint-Jean. Oui, mais on avait reçu combien de personnes? Le format était différent, parce qu'on était sur une demi-journée. Oui, c'était sur une demi-journée, oui. Sur une demi-journée, c'est bon. On avance. Mais bon, il faut qu'il y ait une compréhension dans la population de cette action. Il faut que... Et je vois, à mon avis, il faut du temps. Donc les gens s'habituent, effectivement, mais déjà, c'est des beaux succès. On se perd quelques progressions, donc ça, c'est très bien. Et surtout si ça peut être débouché après, vraiment, sur des résolutions de problèmes, c'est ça le principal. C'est vraiment se mettre au service. Au mois d'avril, ce qui a été gênant, à mon avis, c'est que l'article de presse est passé de lundi de Pâques. C'est pas évident pour les... Déjà, tout le monde n'achète pas la presse, Non. Déjà. Et... Ah, mais c'est aussi bon.
Très belle pièce de réseau. Le samedi, ce serait l'idéal. Demain, ce ne sera pas possible. Demain, lundi, alors. Oui, mais vous, ça passera avant mercredi. Ah bah, oui. Non, mais lundi, mardi. C'est vrai que ça serait bien si les gens venaient pour s'informer déjà. Parce que souvent, ils attendent d'avoir un problème pour venir. Alors, sur l'aspect conseil, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut, ne sont pas obligés, bien évidemment, et c'est vrai que vous avez tout à fait raison de le préciser, ils ne sont pas obligés d'avoir des problèmes, ça peut être une interrogation. Alors, je pense à vous, par exemple, dans votre spécialité défense du consommateur, ils peuvent aussi, avant de souscrire des contrats, faire des travaux dans leur maison, réaliser des choses, être sensibilisés sur les pièges à éviter, sur les clauses qui sont abusives ou qui pourraient les mettre en difficulté, ou de bien s'assurer pour les garanties des scénarios. Enfin bref, toutes ces choses-là, effectivement, ça peut être un conseil pur. L'essence même de l'opération, c'est la résolution de problèmes, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir des problèmes pour te demander des conseils. Et ça, c'est bien volontiers. C'est l'aspect tout à fait, c'est l'aspect prévention, et tous autant que nous sommes autour de la table, nous avons tous un volet de prévention dans notre action. Donc c'est effectivement important. Mais surtout qu'on avait vu qu'il y avait des arnaques à la consommation qui se développaient en ce moment. Tout à fait. Ce qu'on avait signalé, je crois que c'était aussi rendu sur Château-Thierry, les gens qui faisaient passer par l'hôpital. C'est Soissons qui était malheureusement le premier leader. Le leader a pu sévèrement toucher, je dirais, dans la mesure où il y a eu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels sont revenus vers nous, donc forcément beaucoup de tentatives qui avaient été faites. Et oui, effectivement, on n'est évidemment pas les seuls, ni dans la région, ni en France. C'est une technique assez rodée, assez simple à mettre en œuvre pour voir les identités de sécurité sociale des gens. Les personnes qu'on a interviewées à la sortie, beaucoup disaient de tout trouver les services sur place, et ça, ils avaient trouvé ça vraiment très intéressant. C'est vrai que... Comment ? Ça fait une multi-réponse avec un suivi personnalisé. C'est vrai. Les gens peuvent s'organiser toujours là pour voir... Bien volontiers. C'est tout l'idée. Étant donné que nous sommes pas mal de partenaires, la personne trouve toujours à qui parler son problème. Effectivement, je ne vois pas ce qui. Il y a un partenaire qui vous manquerait, qui vous a été demandé peut-être. Sur rendez-vous. J'ai essayé. On a essayé avec du moment. On a essayé. Un dossier sur endettement, ça peut être du conseil, c'est ce que vous disiez à l'instant, pour la Banque de France, ça pourrait faire moins du conseil. Sur endettement, c'est dans le cadre du conseil budget, effectivement, éviter le surendettement, donc mettre tout en œuvre pour accompagner les personnes, notamment pour qu'ils fassent valoir leurs droits, les aider à prendre des rendez-vous dans différentes structures. Connaître les procédures, identifier les acteurs, oui, tout à fait. Si effectivement il faut aller jusqu'au surendettement, les aider à remplir les documents aussi pour ceux qui ne sont pas en capacité de le faire. Comme c'est un sujet d'actualité, tout ce qui est violence conjugale, etc., ça peut être un lieu assez neutre pour qu'une femme vienne voir un intervenant et de prendre en compte une situation qu'elle n'aurait pas voulu exposer au commissaire de police aussi. C'est ça. Dans la mesure où passer les portes d'un commissaire n'est pas toujours évident, ça peut être en toute confidentialité, ça ne pose pas de difficulté là-dessus, en toute confidentialité quotidienne. Ça peut être aussi la prise de contact pour gérer après autrement la problématique et pour l'ensemble des partenaires. Je vous entendais de l'oreille, Madame Tasse. C'est ce que je disais aussi quand on s'est rencontrés la dernière fois, ça donne aussi une autre image du service public. C'est très important. On donne une image comme d'accessibilité. Enfin voilà, on n'est pas derrière nos bureaux. C'est très compliqué de pousser la porte du commissariat. Tout à chacun, on le sait, et voilà, ça permet de donner une autre image du service public, une transversalité aussi entre nous, de montrer que voilà, on est tous là. Qu'on peut tous travailler ensemble, qu'on a tous notre rôle à jouer. Donc ça, c'est très important. Effectivement, un problème peut parfois mener vers plusieurs services publics, et on a parfois... On abandonne avant d'avoir commencé, parce qu'on sait que là, je ne suis pas sûr que les gens ressortent automatiquement avec le problème résolu, mais au moins, ils ont déjà des pistes. Tout à fait. En tant que bailleur, on a eu du client. En tant que bailleur... Sur l'édition de Prel, nous avons eu, que ce soit Plaisance ou Lopal, du client, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'on a eu l'opportunité, pour le coup, d'écouter les gens, leurs problématiques, et de les orienter directement vers le bon partenaire. On a eu des problématiques de voisinage, de troubles de voisinage, qui à un moment donné, voilà, le bailleur, il a quand même ses limites, en tant que bailleur.
Donc on a pu orienter ces personnes vers les bons services de police, alors municipal ou national, mais la personne a vraiment eu l'impression d'être écoutée, entendue et correctement orientée. Et si son problème n'a pas pu être réglé en direct, les bons renseignements, les bonnes orientations lui ont été transmises. Certaines personnes sont reparties en ayant une liste de documents à fournir et elles ont été invitées à revenir au commissariat quelques jours plus tard en demandant une personne bien précise pour avoir un interlocuteur et non pas quelqu'un lambda dans le commissariat. C'est très important pour les personnes d'avoir un interlocuteur, un nom. Tout à fait. Et puis le but, c'est d'avoir la résolution immédiate quand on peut. Pour autant, c'est une problématique qui nous est présentée et qui demande un traitement sur un temps plus long, eh bien, c'est pas grave. C'est le début de la résolution de problème qui commence lors de cette intervention-là et qui peut s'étaler sur le temps nécessaire pour arriver à résoudre la problématique. Donc, que ce soit juste un signalement, une information ou un renseignement au sens large qui nous est apporté, c'est tout aussi important pour nous que les problématiques qu'on peut arriver en gérant en direct. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir et puis on s'adaptera de toute façon à la demande et aux personnes qui font la démarche. C'est une bonne phrase pour conclure. C'était pas mon but parce que je ne veux pas conclure spécifiquement. Si l'un d'entre vous a des choses à dire, n'hésitez surtout pas à lâcher la main. Non ? Bon, bah écoutez, merci encore. Pardon, je suis présidente de la Confédération syndicale des familles de Soissons, donc association de défense des consommateurs et des locataires. Donc c'est à ce titre-là qu'on y participe. Voilà, résolution des litiges, renseignements, etc. Et puis, dernièrement, dans le cadre du plan pauvreté mis en place par l'État, la CSF était labellisée point conseil budget. Donc, pour répondre à toutes les problématiques budgétaires, éviter le surendettement, etc. Voilà. De notre opération, c'est le bâtonnier qui systématiquement nous met à disposition des habitants de Soissons des avocats qui sont généralement un par demi-journée et qui viennent bien évidemment, dans leur rôle d'avocat, faire un rôle de conseil juridique assez pointu. C'est tout l'avantage qu'on a avec ces professionnels qui sont particulièrement compétents sur des domaines assez variés du reste. Donc monsieur le bâtonnier ne peut pas être là aujourd'hui. En revanche, nous aurons un avocat sur la durée de l'opération toute la journée mercredi prochain.